Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement keplérien dans laquelle je vais présenter les lois de Kepler. Ces lois ont été établies donc au début du XVIIe siècle par un astronome allemand du nom de Johannes Kepler. Les lois établies par Kepler sont des lois que l'on appelle cinématiques. Elles décrivent donc la trajectoire des planètes autour du Soleil, mais il n'a absolument pas travaillé sur donc la raison de ces trajectoires. Et donc pour pouvoir établir ces trajectoires et ces lois, il a utilisé donc les travaux de Tycho Brahe, qui était donc le meilleur l'astronome qui faisait donc les meilleures mesures de l'époque. Et à partir de ces mesures, il a donc établi ces trois lois cinématiques. Les lois sont les suivantes. La première est appelée loi des orbites. Et elle dit que donc les planètes du système solaire décrivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil occupe l'un des foyers. C'est-à-dire que si on présente sur un schéma, une ellipse est en fait un genre de cercle aplati sur deux côtés et qui est caractérisé donc par la présence de deux foyers, F1 et F2. Kepler dit que, d'après sa première loi, que les trajectoires des planètes sont donc des trajectoires qui sont des ellipses et que le Soleil se trouve sur un des foyers ici. L'autre foyer, en fait, il n'y a rien. Et on a donc ici le Soleil qui se trouve en S et la planète qui va tourner autour. Cette ellipse est caractérisée donc par des valeurs et des points. On a donc le centre de l'ellipse ici. Et on définit donc A qui est le demi-grand axe, B le demi-petit axe de l'ellipse. On peut aussi définir d'autres points qui sont donc le point P, c'est-à-dire la distance la plus petite entre le Soleil et la trajectoire ici, c'est ce que l'on appelle le périastre. Quand il s'agit du Soleil, on dit le périhélie. Quand il s'agit de la Terre, on dit le périgée. Et de l'autre côté, on a le point A qui lui correspond à l'apoastre, ou donc quand on est avec le Soleil, donc l'apoélie, et avec la Terre, l'apogée. Voilà, ensuite, donc cette ellipse en fait va être caractérisée par ce qu'on appelle son excentricité, que l'on calcule en faisant la racine de 1 moins b carré sur a carré, donc b le demi-petit axe, a le demi-grand axe, et donc si cette valeur de e est comprise entre 0 et 1, dans ce cas-là on sera bien en présence d'une ellipse, mais on voit que si b est égal à a, on a 1 moins a 1, ce qui nous donne 0, et dans ce cas-là, on a B et A qui ont même longueur, et on a en fait présence d'un cercle, qui est un cas particulier d'ellipse. Si on regarde donc les planètes du système solaire et leur excentricité, on voit donc les valeurs suivantes. Mercure a une excentricité de 0,2, Vénus qui est quasiment 0, la Terre aussi, et en fait une très grande majorité des planètes ont des excentricités qui sont très très faibles. Donc on va pouvoir considérer sur quasiment toutes les planètes, sauf peut-être Mercure, que en fait l'excentricité est de 0 et donc que les planètes ont des orbites qui sont circulaires. Deuxième loi qui s'appelle donc la loi des aires, R-A-I-R-E-S, donc qui est en lien avec la notion de surface, et qui dit donc que le vecteur position va balayer des aires égales en des temps égaux. Si on représente donc toujours notre ellipse, avec le Soleil, on a la trajectoire ici de la planète. Si on considère donc l'air balayé par le rayon qui relie donc le point S à la trajectoire, si je prends une première zone ici S1 qui correspond donc à un temps delta t de déplacement donc de la planète, et si je prends S2 qui est l'air balayé par le rayon là encore avec delta t qui est le même temps que tout à l'heure, on voit ici donc que les aires, normalement, d'après la loi de Kepler, sont égales. Pour pouvoir voir quelle est la conséquence de cette loi, je vais introduire donc des points P1 et Q1. Je vais considérer qu'entre P1 et Q1, la vitesse est constante et vaut V1. Et je vais introduire P2 et Q2. Et là encore, je vais considérer que la vitesse est constante entre ces deux points. On va avoir le rayon, la distance R1 ici. On va considérer que sur tout le trajet, là encore, R1 peut être considéré comme constant et R2 aussi ici. Et donc, je vais pouvoir déterminer grâce à ce que j'ai rajouté sur mon schéma, les surfaces. On va pouvoir dire que la surface S1 sera à peu près P1 Q1 fois R1 sur 2. En fait, je fais cette distance fois cette distance pour avoir l'aire du rectangle et je la divise par 2 pour avoir un triangle quasiment rectangle. Et donc, ça veut dire ici, avec P1, Q1,
qui sera liée à la notion de de temps, P1Q1 sera égal à V fois delta T, c'est-à-dire V1 fois delta T. Et j'ai donc S1 qui est égal à V1 fois delta T fois R1 sur 2. Je peux faire la même chose avec S2. S2 sera égal à P2Q2 fois R2 sur 2. P2Q2 sera égal à V2 fois delta T. Et donc S2 sera égal à V2 delta T R2 sur 2 ici. Donc j'ai deux expressions de S1 et S2. Et d'après donc la loi des airs, la deuxième loi de Kepler, ces deux surfaces doivent être égales. Si je remplace donc dans l'expression S1 est égal à S2, j'aboutis à une relation qui me dit, j'ai éliminé delta t de chaque côté, V1 fois R1 sur 2 est égal à V2 fois R2 sur 2. Je vais pouvoir enlever les deux. Je vais isoler les vitesses d'un côté et les rayons de l'autre et j'obtiens V1 sur V2 qui est égal à R2 sur R1. Je ne sais rien sur les vitesses, par contre je vois tout de suite sur mon schéma que R2 est beaucoup plus petit que R1. Donc comme R1 est supérieur à R2, ici je vois tout de suite que la vitesse V1 sera supérieure à V2. Donc quand on est loin de l'astre, la vitesse est faible. Quand on est près de l'astre, la vitesse est grande. On peut l'illustrer donc en faisant une simulation Python et donc en regardant ce qui se passe au niveau du mouvement donc d'une planète autour donc d'un astre attracteur. Donc on voit que quand la planète est loin de l'astre, la vitesse est faible et dès qu'elle s'en rapproche, la vitesse augmente. Elle atteint sa vitesse maximale près de l'astre et ensuite en repartant, la vitesse rediminue pour atteindre une valeur minimale quand elle est à sa distance la plus grande. Si on est en présence d'une orbite circulaire, donc voyons maintenant ce qui se passe pour cette deuxième loi. On a vu que V1 sur V2 est égal à R2 sur R1. Donc, si je me place dans le cas d'une trajectoire circulaire, mon rayon est toujours identique, donc R1 sera égal à R2. Si donc je vois que R2 sur R1 sera égal à 1, donc V1 sur V2 sera aussi égal à 1, j'ai donc les vitesses qui sont égales. Et donc d'après la loi des airs, quand on est dans le cas d'un mouvement circulaire, on a aussi un mouvement qui est uniforme. Donc comme nos planètes, tout à l'heure on a considéré qu'elles avaient un mouvement quasi-circulaire, on peut aussi considérer que leur mouvement est uniforme. Dernière loi maintenant avec donc la troisième loi qui est la loi des périodes. Cette loi dit que le carré de la période sidérale d'une planète est proportionnel au cube du demi-grand axe de la trajectoire elliptique de la planète. Si on représente sur un schéma toujours notre Soleil, la trajectoire elliptique, on va avoir donc A, le demi-grand axe qui est là, et donc la période ici sidérale correspond au temps que met la planète pour clore en fait son orbite fermée et revenir à la position de départ. Donc T est la période de révolution, qu'on appelle aussi période sidérale, et la loi de Kepler nous dit que T carré est proportionnel au cube du demi-grand axe, donc ce qui est égal à K fois A au cube. Donc je vois que si A augmente, ben, j'ai automatiquement T qui augmente également, donc pour une orbite circulaire, hop. Donc je vois que si ma distance augmente, plus si j'ai une trajectoire avec une distance très très grande, j'aurai également une période qui sera plus grande. Si maintenant je regarde le cas circulaire, dans le cas circulaire, je vais considérer cette fois que le demi-grand axe correspond au rayon, et on a donc la relation t carré qui est égale à k fois r au cube. Si donc on fait un bilan de toutes ces lois et de leurs conséquences, on a donc les lois de Kepler qui ont été établies au XVIIe siècle et qui vont décrire donc le comportement d'un système autour d'un centre attracteur. Ces trois lois sont la loi des orbites qui nous dit que la trajectoire est une ellipse et que le centre attracteur se trouve sur un des foyers. Et donc pour les planètes du système solaire, on va pouvoir considérer que ce sont quasiment des cercles. La deuxième loi nous dit que le rayon reliant le centre attracteur au système va balayer des aires égales en des temps égaux. Et donc la conséquence est que la vitesse du système va varier. Si elle sera grande près du centre attracteur, c'est-à-dire au périastre, et elle sera petite loin du centre attracteur, c'est-à-dire plutôt à l'apoastre. Et pour un cas circulaire, la deuxième loi, qui est la loi des airs, est très importante car elle fait le lien entre la notion de trajectoire circulaire et la notion de mouvement uniforme. Et enfin,
La troisième loi de Kepler, qui est la loi des périodes, nous dit que le carré de la période de révolution du système autour du centre attracteur est proportionnel au cube du demi-grand axe de l'ellipse. Donc plus un système sera éloigné du centre attracteur, et plus sa période de révolution sera grande. Et enfin, pour une trajectoire circulaire, on remplacera le demi-grand axe par le rayon de la trajectoire.